Bonjour à tous les amis, c'est Iso et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le deuxième DLC de Sniper Elite 4. La deuxième partie de la tempête... Attendez, j'ai encore oublié le nom. Solo. DLC, la tempête mortelle, voilà. Donc cette fois, on va devoir faire une infiltration. Et c'est parti, on va essayer de mettre un peu moins de temps qu'on a eu la dernière fois à faire la mission, puisque la précédente partie, la partie 1, c'est-à-dire, eh ben j'ai bien mis 2 heures à la faire. Et on va garder le même stuff. Alsace, we're right to be worried. The package I grabbed from Rocca Sul Mer contained canisters of plutonium particles. Each marked with one word. Todessturm. Deathstorm. We know the package was en route to renowned physicist Dr. Antonello Galvani. Galvani is being forced to work for the Nazis. He's based at the University of Neroli in the north of the country. At the heart of Mussolini's fascist state. His wife Veriana is a key informant. It was her who tipped us off about the package. The Nazis must have got suspicious. They placed her under house arrest. She told us her husband had hidden his research papers inside a music box. He also made sure to encrypt them so they can only be read using a cipher. The Nazis don't know any of this yet, but it's only a matter of time. If we're going to learn what Deathstorm is, I need to get the cipher from Dr. Galvani, grab his research, and spring Veriana. Alors, je dois sauver Dulciné et je dois récupérer les docks. Génial. Ah bah, ça commence bien. Galvani's work is the key to unlocking Deathstorm. Gotta find him and secure the research. Alors... Tuer les ministres de la propagande, attirer... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, libérer la meuf, assassiner l'unité, attirer l'unité avec la radio, tuer le ministre de la propagande, trouver Galvani, et trouver la boîte à musique. Pas d'objectif secondaire. Bon, en tout cas... Ah, ça c'est un lampadaire. Allez. Alors, il faut vraiment le crever, hein.
Alors, où est-ce qu'ils sont les petits nazis? Hop là, et déjà demain. Ça c'est fait. Ah, je suis en forme aujourd'hui pour en dérouiller. Apparemment, j'en ai un autre par là-bas. Ah. Allez, montrez-vous. Les hommes tombent comme des mouches. Il y a des snipers partout. Non. Il y en a un qui est revenu dans la cour, on va le niquer. Oh mais non, pourquoi il s'enfuit à ce moment-là? Fait chier.
J'arrive pas à les voir avec cette nuit profonde. Ce coucher de soleil plutôt. Voilà, au moins je suis débarrassé de celui-là. Voilà, munitions. Non, le bateau revient. Ammo's not gonna last much longer. J'ai pas réussi à l'avoir, dommage. I think I've grabbed all I can. Damn it, almost out of ammo. Hmm.
Putain, vas-y, ça me saoule. Alors maintenant il me reste plus qu'une balle. J'espère que je vais trouver des mines par là-bas. This will come in very useful. That's all. Galvani's wife Variana is a vital allied informant. She's under house arrest. Have to find and free her. Ça va, j'ai toutes les cibles de marquer. Et voilà, un double frag rendement bien mené. Can't find anything else. Et ils sont tous à cran. Hein. Oh alors, comment j'ai pu louper un tir comme ça? Il y a l'air d'y avoir moins de monde ici. No more to find here.
Et de la chance celui-là. Hop là. Ton pote, tu vas rien comprendre. À ton tour maintenant. Nothing else. Hop là, on se refait plein de mûnes. On va essayer de libérer la meuf, comme ça c'est fait.
On va les détruire comme ça. Ah lui je l'avais pas vu. Guess I grabbed everything useful. Je sais qu'il y en a ici, mais bon, ce qui va ressortir. Alors je sais pas où il doit être là. Ah non, il était en haut. Vous savez quoi, on va prendre le temps au final, je préfère prendre le temps que tout faire à la va-vite. Ah tu veux rester derrière ton arme, d'accord.
Je le vois pas. Ah. Avant d'aller à droite, on va dire fouiller à gauche. Là, j'en avais marre d'avoir son cadavre en brillant. Nothing else to find. Je peux pas rentrer ici. Même si j'ai un silencieux, je couvre encore plus le son, comme ça je suis sûr d'être tranquille. Alors on va voir où ce que ça mène. Alors si je mène ici, il y a encore un truc à nettoyer, puis après non. Et ici, il faut fouiller, trouver la meuf. C'est ce qu'on va faire.